Et après, on est quand même dans un environnement grandiose. Donc pour moi, ça marche hyper bien. Après, pour moi, physiquement et logistiquement parlant, c'est nettement plus compliqué. Parce qu'il faut imaginer que je suis pas dans de la pente, on se rend pas trop compte, mais qui est quand même, c'est vraiment pentu. Et donc pour moi, techniquement, c'est hyper compliqué. La particularité de cette œuvre, c'est que j'ai touché à rien. On n'a pas coupé un brin d'herbe, pas bougé un caillou. Donc je suis vraiment venu m'implanter de manière à bouger le moins possible l'environnement. Et après, évidemment, on doit jouer avec les aléas météo, la pluie, les orages, le brouillard, etc. Mais ça fait partie de mon boulot puisque je suis à l'extérieur. L'idée, c'est de faire des ponts intergénérationnels, l'importance de créer des ponts entre la personne âgée qui, pour moi, va représenter un peu la sagesse, l'expérience, et la jeunesse qui est à la fois l'avenir, qui a aussi plein d'innocence, etc. Je pense qu'il y a un aspect un peu simplement de contemplation de la nature,